Longue, longue, pardon, viens, on regarde cette vidéo ensemble. Rien ne peut te dépasser, papa. Je suis calé, même si vous me donnez 10 millions aussi. Je vais bien faire avec. Envoyez-moi les rôles. Longue, Karagua. Merci beaucoup. Le monsieur à qui Longue, longue demande le visa s'appelle Tabala. Ce n'est pas la magie avec vous dans ce pays. Quelqu'un qui t'a soi-disant torturé devient ton ami, Longue, longue. Demain, il y a un bon endroit où ça joue en live. Tout le monde boit le champagne. C'est où ça? Non, je ne peux pas appeler pas le nom. D'accord, tu ne diras pas. Le commandant Kamala, oui, a un lien là-bas. Super. Mais ça, ce n'est même plus le syndrome de Stockholm, je vous jure. Tu te comportes, on dirait un charbon qui s'invite à une compétition de blancheur, Longue, longue. Imagine-moi, Steve Fa, mangeant et buvant avec les gens de la base qui m'ont sauvagement agressé en Belgique. Ce ne serait pas la folie. Oui, j'ai pardonné. Mais de là à me lier d'amitié avec eux, jamais de la vie. Sauf si c'est pour les empoisonner. Même Dieu qui nous appelle à pardonner a sûrement pardonné au diable. Mais est-ce que vous le voyez encore ensemble? Longue, longue, tu abuses. Longue, longue, je ne sais pas à quoi tu joues. Mais sache que aucun de tes amis militaires ne sera puni. Parce que tous ces militaires que tu as cités sur TVC Monde, ce sont tes amis. C'est commandant Stéphane Kimboko. Joyeux anniversaire. Commandant Stéphane Kimboko, le militaire le plus suspect. Commandant, tu es très important pour la République. Reste comme tel, ne change pas. Aussi, arrête de raconter partout qu'on a voulu te tuer. Celui qui a failli mourir, c'est moi. Et ce sont tes amis de la base qui ont fait ça. Personne n'a réclamé justice pour moi. Alors arrête très vite le deux poids deux mesures que tu veux faire là. Si on doit condamner la violence, ça doit se faire pour tous et en toutes circonstances. Tes amis t'ont fouetté pour ton ingratitude. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros pour que je sorte de ce problème. Donc il est hors de question que ce papa, qui n'est pas Yabassi, qui n'est pas, mais qui est le papa de tous les Camerounais, et qui ne m'a pas laissé dans les problèmes, que je le trahisse. Ce serait très ingrat. Longue, longue, d'où vient-il que tu viennes insulter ce monsieur qui t'a aidé? Lorsqu'on a tenté de justifier l'horreur que j'ai vécue en Belgique, tu es resté silencieux. Alors permets-moi également de te dire qu'on t'a fouetté pour ton ingratitude. Et cette correction n'a laissé aucune séquelle. Tandis que moi, j'ai été battu presque à mort par des assassins. J'ai des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont ces séquelles qui m'envoient en Allemagne tous les deux mois pour suivre un traitement suite à une commotion cérébrale qui me plonge dans le brouillard de temps en temps. Je ne vais jamais oublier ce jour. Et je ne cesserai jamais de parler de mon agression, car personne ne demandera justice pour moi. Même pas ce régime qu'on prétend que je soutiens. Bref, Longue, longue, la vérité, c'est que tes amis sont de bons militaires. Ils ne mélangent pas l'amitié et le travail. Ils ont sûrement reçu l'ordre de te donner une correction et ils l'ont exécuté. Après ça, vous êtes redevenus amis. C'est eux qui avaient pris ton passeport et c'est grâce à eux que tu as pu refaire ton passeport. C'est grâce à ton ami Tabala que tu te retrouves en Europe aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'est toi qui célébrais sa nomination à Crimée. Eh, Ambombo, toi-même, viens voir ça. De toute façon, tes amis et toi, je n'en ai rien à foutre. J'ai fait cette vidéo parce que je sais que tu cherchais l'asile politique. Mais pourquoi c'est en France que tu vas le faire? Bah la colonisation, colonisateur, pourtant c'est l'exploitation de l'Afrique. Qui a chanté cette chanson, Longue, longue? Tu crois que TV5 Monde t'a reçu parce qu'il t'aime trop? À quel moment tu n'as pas compris qu'ils veulent juste profiter de cette situation pour déstabiliser ton pays? Même si on n'aime pas Paul Biya, Longue, longue, ne donnons pas du grain à moudre à ce pays qui a ruiné notre continent. La forêt de Yabassi, toujours les après tout ce combat pour sortir des griffes de la France, qui aurait imaginé que c'est toi, Longue Longue, qui allait donner à ce pays des arguments pour nous asservir à nouveau? Bref, si tu es sage, Longue Longue, fais une vidéo et demande pardon à tes amis, à tes combis militaires et rentre au Cameroun. J'aimerais conclure en disant quelque chose que vous allez trouver paradoxal. Le régime de Paul Biya a ses défauts, on les connaît, mais ce ne sont pas des criminels. Sinon, ça coûte quoi à Paul Biya de vous éliminer un par un? Vous croyez que être en France ou en Allemagne, c'est être caché? Il n'a même pas besoin de déployer d'énormes moyens. Vous savez, 5000 euros et vous connaissez nos gens d'Europe de l'Est là. Un par un, on vous élimine. Soyons modérés et estimons-nous heureux d'avoir un président qui n'élimine pas ses opposants politiques. Et je pense que c'est d'ailleurs lui qui m'inspire au quotidien dans ce sens. Sinon, j'aurais déjà fini avec les gens qui m'ont agressé. Je les connais tous, les agresseurs, les commanditaires. Je les connais tous et je connais leurs adresses. Ça ne me coûte rien. Mais je pense que le pardon guérit mieux que tout. Bonne journée à vous. Je peux pas me détourner, Excellence. J'ai un témoignage à faire, Excellence. Parce que quand j'ai eu des problèmes en France, M. Victor Tchatchoua, premier conseiller à l'ambassade du Cameroun en France, il m'a dit que Longue, le chef de l'État a dit qu'on doit lui rendre compte de tout ça. On ne peut pas t'abandonner. Un enfant du pays comme toi, qui a fait des bonnes choses, tu ne peux pas avoir des problèmes à l'étranger. On t'abandonne. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros
pour que je sorte de ce problème. Donc il est hors de question que ce papa, qui n'est pas Yabassi, qui n'est pas, mais qui est le papa de tous les Camerounais, et qui ne m'a pas laissé là les problèmes, que je le trahisse. Ce serait très ingrat. Et moi, vous me connaissez, vous connaissez mon honnêteté. Vous connaissez ma voix, tout le monde connaît. Et j'ai dit que je dois demander pardon à ce monsieur. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages vidéo et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.